Je reconnais maintenant Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata. Madame la Présidente, à La Pocatière, le 20 février dernier, Anne Aymon, originaire de Saint-Roch-des-Aunais, a présenté son premier long-métrage intitulé « Nuit numéro 1 ». Selon la revue Séquence, ce film se classe parmi les trois meilleurs films québécois à s'être imposé en 2011. Déclaré meilleur film canadien au Festival international du film de Vancouver, il gagne le grand prix du jury pour le meilleur film au Festival de Tübingen et celui de meilleure actrice au Festival de Pau. Il était en lice au Gala des Jutras dans les catégories meilleur film, meilleure réalisation et meilleure actrice. Au prix Génie 2012, il remporte le prix Claude Jutras et il est en nomination pour le meilleur scénario original et celui de la meilleure actrice dans un premier rôle. La jeune cinéaste a su s'imposer par ses courts-métrages remarqués. Ses trois derniers films ont été récompensés tant au national qu'à l'international. J'offre mes plus sincères félicitations à Mme Anne Aymon. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata.